Bonjour, mes chers compatriotes. Il est la diaspora africaine. Aujourd'hui, c'est le 30, c'est dimanche 30 juin 2024. Voilà, j'ai fait tout à l'heure un live de 11 minutes. C'est concernant la mort de Sadiba Koulibaly, le général, l'ex-général Sadiba Koulibaly. Feu général Koulibaly, Sadiba Koulibaly. Voilà, la vidéo a été supprimée. Je m'excuse beaucoup. C'est indépendamment de ma volonté. Donc, je suis venu pour reprendre vite fait la vidéo. Je vais intervenir en français et en poular. Donc, ça va être bref et j'aimerais vraiment que vous la diffusiez le maximum possible. Pour les autres voilà, Guinéens, je pense que je ne vais pas m'attarder parce que c'est le temps qui manque. Donc, les gens viendront voir la vidéo plus tard en rediffusion. Même si ce n'est pas en live, ce n'est pas un souci. Ce qui est sûr, ça doit être diffusé partout, surtout sur toutes les plateformes. Et c'est très important que les Guinéens sachent que. Le message que le président Sélou d'Alain Diallo a fait en présentant ses condoléances à la famille du défunt, feu général Sadiba Koulibaly, il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué ce message. Beaucoup, je dis bien des gens qui viennent de, comment dirais-je, des gens qui viennent de, qui se disent de l'UFDG. Donc c'est très important ce que je suis en train de dire ici. Il faut que les Guinéens sachent que ce n'est pas toute la moyenne Guinée qui est avec Sélou. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont du même village de Sélou qui ne veulent pas que Sélou arrive au pouvoir. Il faut que les gens sachent cela. Ceux qui sont de la Guinée forestière, il faut que vous sachiez cela. Ceux qui sont de la Haute-Guinée, il faut que vous sachiez cela. Ceux qui sont de la basse côte, il faut que vous sachiez cela. Sélou, c'est un homme d'État. Sélou, c'est quelqu'un qui veut être le président de la République de Guinée. Mes chers compatriotes, nous avons en face de nous un homme d'État. Pas un homme ethnocentrisme. Un homme ethnocentriste. Sélou, c'est quelqu'un qui a toujours, c'est-à-dire qui a toujours veillé pour sa patrie. Pour qu'il y ait la paix en Guinée. Depuis que Sélou est opposant, il n'a pas encore fait un discours haineux. C'est-à-dire, je n'ai pas entendu dire des propos haineux. Quelqu'un, un général qui a eu la mort, lui, il présente ses condoléances. Il y a des gens qui se disent de l'UFDG qui disent qu'ils sont contre cela, que Sélou ne doit pas faire ça parce que c'est des gens qui l'ont empêché d'arriver au pouvoir. En tant que chef d'état-major, en tant que quelqu'un qui est général, en tant que quelqu'un qui était avec l'ancien pouvoir, c'est des gens qui l'ont empêché d'arriver au pouvoir. Et après, il y a des gens qui ont diffusé les images quand la délégation qui est allée démolir la maison de Sélou d'Alain Diallo, bien entendu, y compris Sadiba Koulibaly, qui était parmi cette équipe qui était partie démolir. Comment dirais-je, la maison de Sélou d'Alain Diallo. Il faut que l'opinion publique guinéenne sache que c'est des ennemis de Sélou. C'est des ennemis de Sélou. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'aiment pas ceux qui ont diffusé cette vidéo, là où Sadiba était parmi l'équipe qui est partie démolir la maison de Sélou. C'est pour semer la zizanie. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, ça fait maintenant 14 ans, on peut dire que Sélou est devant la scène politique en tant qu'opposant. Nous comprenons tous maintenant, nous tous maintenant, nous devrons savoir qui est ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il veut être le président de tous les Guinéens. Que tu sois son ennemi, que tu sois celui qui le soutient, que tu sois le mauvais Guinéen, le bon Guinéen, Sélou veut être le président de toute la Guinée.
Donc c'est pour cela que je suis venu ici mettre les points sur les i. Quand vous voyez des soi-disant militants de l'UFDG disant que voilà, tenant des propos odieux, haineux, ça c'est que ce sont les ennemis de Sellou. Ça sent que c'est des gens qui ne veulent pas que Sellou accède au pouvoir. Sinon, si tu aimes quelqu'un, si tu veux quelqu'un, si vraiment tu soutiens quelqu'un, lui qui est à la tête du parti, il ne peut pas aller à droite et toi tu passes à gauche. Et tu dis que tu le soutiens. C'est archi faux. Si vous ne soutenez pas Sellou, il y a un congrès qui va se tenir bientôt à l'UFDG. Formez votre candidat. Allez-y vous présenter. Mais vraiment, si vous soutenez Sellou Dalein Diallo, s'il passe à droite, passez à droite. S'il passe à gauche, passez à gauche. C'est lui qui a la tête. Il ne peut pas présenter un message de condoléance à la République de Guinée, au peuple de Guinée, à l'armée guinéenne, à la famille du feu général Sadiba Koulibaly, et vous dites que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais. Mais non. Mais c'est vous qui ne savez pas qu'est-ce que vous voulez. Donc, mes chers compatriotes, dans la constitution guinéenne, il n'est pas écrit que si quelqu'un tue quelqu'un, ou bien si quelqu'un a fait du mal, exécutez-le. Ce n'est pas écrit dedans. Même si vous tuez quelqu'un, vous méritez la prison. On doit vous juger et vous condamner. Mais personne ne doit vous tuer. Mais nous tous, nous savons que Sidibé Koulibaly, il a été arrêté. Nous avons vu ce qui s'est passé chez lui. Et à la suite, maintenant, s'il est décédé, s'il est mort, mais c'est toute la Guinée qui doute comment ils l'ont tué. C'est pour cela que les gens ne voulaient pas qu'on l'enterre sans qu'on voie le cadavre. Mais est-ce que ça c'est pas quelque chose de caché? Les Guinéens ont vu. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Nous sommes tous des êtres humains. Nous pouvons dire que si quelqu'un fait du mal, qu'on lui juge et qu'on lui condamne. Mais on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un, même s'il est votre ennemi. Mais ceux qui sont contre les propos, le message de Sellou Dalein Diallo, il faut que vous sachiez que ce sont les ennemis de Sellou. Ce sont des gens qui ne veulent pas que Sellou accède au pouvoir. Et ils se disent de vrais militants. Hein? Eux, ils te disent que nous sommes de l'UFDG. Nous sommes de l'UFDG. Nous, ce n'est pas Sellou. Même si Sellou quitte à l'UFDG, nous sommes de l'UFDG. Non, mes chers compatriotes. Et ils ont la tendance encore de dire que, attendez, c'est Baouri qui a créé ce parti. Sellou est venu nous trouver ici. Écoutez, avant que Sellou n'aille à l'UFDG, d'abord, sachez qu'il voulait former son propre parti. C'est parce que Ba Mamadou a été intelligent. Il a dit, pourquoi Sellou va aller former un autre parti? Nous avons un parti déjà qui est formé. Lui déjà, il est connu. Il a de l'expérience. Il n'a qu'à venir s'ajouter à nous. On lui nomme le président du parti. Ils l'ont dit de ne pas créer un nouveau parti. C'est en ce moment que Sellou est venu à l'UFDG. Il ne faut pas oublier ça. Sellou pouvait créer son parti. Et aujourd'hui, le parti que Sellou avait créé pouvait être le meilleur parti de la République de Guinée. Mais lui, il a accepté l'union depuis qu'il a commencé la politique. Sellou a toujours accepté que l'union soit sacrée de tous les Guinéens. Donc, là maintenant, il avait accepté l'union pour vraiment renforcer le parti. Aujourd'hui, ce qu'il a fait à l'UFDG, qui avait fait ça auparavant? Plus de 100 fédérations dans le monde, national et international. Mais c'est Sellou qui a réussi ça. Partout où tu vas dans le monde, l'UFDG est représenté. C'est-à-dire, c'est comme si c'est le parti au pouvoir. L'UFDG, c'est comme si c'est le parti au pouvoir. Mais c'est ça la vérité. Si vous ne pouvez pas remercier ce monsieur, laissez-lui en paix. Ce monsieur n'a rien à voir avec votre ethnie. Ce monsieur, il est peul de la République de Guinée. Mais il n'a rien à combattre. Lui, son combat, ce n'est pas un combat des peuls. Lui, il combat pour la démocratie, pour l'alternance en République de Guinée. Sellou veut être le président de tous les Guinéens. Il faut que ça soit clair. C'est pour cela que je fais ce live. Les points sur les i, mes chers compatriotes.
Tous les peuples que vous entendez dire, c'est loup, non, c'est loup ceci, c'est loup cela, c'est des ethnos, c'est des gens qui ne connaissent même pas la politique. C'est des gens qui sont haineux. Alors que c'est loup, ce n'est pas ce genre de type-là. C'est pour cela qu'il faut que ça soit clair. Et nous n'allons pas laisser ces gens d'occasion-là. Il faut que ça soit clair. On va vous dire la vérité. L'image de c'est loup, vous ne pouvez pas le salir. Parce que c'est la personne, c'est un homme d'État. C'est un homme qui n'a rien à foutre avec l'ethnocentrisme. Et tous ces discours, moi je vous invite, hein, vous à qui ils veulent vraiment salir l'image de c'est loup, allez-y revoir tous les discours de c'est loup. C'est loup n'a jamais tenu un discours haineux. C'est loup n'a jamais tenu un discours d'ethnocentrisme. Regardez toutes les vidéos de c'est loup, toutes les interventions de c'est loup, c'est correct. Donc mes chers compatriotes, vu que la constitution guinéenne aussi interdit catégoriquement qu'on exécute quelqu'un qui a fait du mal, arrêtez la démagogie, arrêtez l'ethnocentrisme, arrêtez votre haine. Merci beaucoup, je vais m'expliquer en poulard. Monsieur Ben, si Ben Haray on jarama, Haray on a ke hakke mi la vidéo on juta, mais Haray hande ko dimanche re do, nyande chapantati juin, ad kwa dimido, Haray mi wadi nane vidéo, mais kono o supprimama. Haray non mi anda hon no supprimera, mais kono Haray, c'est indépendamment de ma volonté. Haray komi toroto en en fou merden, ko yen wakilo, ande wondema, président Sellou Dalen Diallo o message mo be wadi fi toragol yafuye yarluye général feu général Sadiba Koulibaly wobbe no yalti critique gol dum don inna wondema dum hina ko hani on fami onani donc haray non ben wonbe wiide o message Sellou Dalen don de wondema hina message do wado wadede haray ko mi andinta on ko himbe be andanda hore mani be hida sellu ara ko pouvoir fi hondon parce que sellu si tawi hawri mo fala lama de lagine fou goddo waretake servu do lagine o waretake lagine hara ko yo ware kanko ara o daro o inna hi wondema himo weltori dun don ma o fanka boude non parce que c'est injuste goddo si warama parce que fopino andi hay goto confirmali wondema ko kambe warimo hay goto aral do inni hino do lettre ko windi officiellement ko CNRD wari Sadiba Koulibaly mais lagine fop no douti e mayde makonde parce que be nangumo himo seldi onawna woni 2 semaines menda 3 semaines o may donc hondum non wadi hatta lagine fo douta e de mayde do donc si tawi goddo sifa wano sellu dal njallo windi wondema no fal no tori yarluye no tori yarluye fi nde mayde do mais ko homme d'état wadata kon ko dun sellu wadi sellu mi fala yo jama haute guinée on jama guinée forestière on jama basse coton ko be andu sellu no wodi himbe jeyabe fouta diallo halo be hala ko halata kon be hida o ara ko pouvoir himbe be anda daro mani wobbe ben ko wiyeti be ko ami de Ousmane Gawal wobbe ben ko wiyeti be himbe be yidube UFDG harabe hida UFDG parce que hidudo UFDG d'abord ko bawo leader jo UFDG on iwtirta awata wiide da hidi UFDG sellu yara a droite an yara a gauche inna ngi da hidi sellu non joni congrès no wadude nebata UFDG si tawi hawri an ngahida UFDG ayda sellu dalen joni créer o sabi créer opposant jo mongo leader jo monda da wadama ni on do wawa yawde ko congrès o inda kanko kadi bo fala arda gol UFDG joni si tawi ko onon gagni hara ko on don ardoto mais kono mo ardido le parti o si tawi ko on wonanda o wawa ta wadude goddu yalta ko yasi critiquamo ida wawi mo critique de kono ko ko der bureau exécutif ko der bureau politique ida wawi critique de sellu ko der bureau ji mais yaltu gol ko kene critique sellu inna wonde ma da wonani sellu c'est archi faux c'est pas vrai anko a wondo gagno sellu parce que sinadu no wodi ko yata critique mais non haray min ko mi innata do jama on ko jama on andu sellu hina fala do lama de fulbe de sellu hina affaire leñol imminimo ko dum wadi ko on nana tay mo wala fi leñol ono mapi be toujours yettugol sellu watta e leñol mongol ko non on tampay ba il faut yalti non sellu e gol leñol mon parce que sellu kanko ko sosojo ko maninkajo ko forestierjo ko pullo kanko ko fou si tay on anda dum do mi andina yon dum do sellu ko homme d'état sellu ko politicien jo sellu hina leñol woni combat makko
C'est pour mettre les points sur les i. Quand la yal tout dodo de ou kinir gol selou lenyol, ou anda politique, ou anda selou, ou anda ko fala, ou fala ko walou de selou, ko gagno selou. Parce que selou hande, discours di mako di mfop, gila ou fout di politique, ça fait maintenant plus de 14 ans. C'est-à-dire, selou n'a jamais prononcé un discours ethnocentrisme. Selou quand go discours di mako di mfop, ko discours de la République. C'est un nom, qu'au discours d'État, qu'au discours de parti politique, de leader politique, quand qu'on yotere ma konne, faut qu'on cohérent. Est-ce qu'on fait, si t'as une, on a là, on a une conviction, on a là éthique, on a là politique, on a là qu'on fait là donc, on a un collègue au Mongol, on a là tout, il a victimisé au tout, on a un, il a voilà tout, qu'on a tout voilà la Guinée, qu'on a tout bon dans la Guinée, qu'on a tout voni, l'ama qui la Guinée, qu'on a tout voilà, Johnny, il a fait là, yet today. Leader de Mandanda Horemani Kanko, principe du Makodi, ko principe de la nation, principe de la République, Kanko ko un homme éthique, Jogiro Haki, les femmes expérience. En famille, Jogiro, mo legine fou hidi, celle le soso ben noidimo, Maninka ben noidimo, Berset ben noidimo, Foule ben noidimo, celle le ko fou hidimo. On a non Jodi beton den, on et on clan don den, on minorité don den, Jodi bedo den, himbe moyen Guinée, Mandanda Horemani, on a famille don hidi celle. Si donc il dit celle-là, quand on dit nantong il donc il dit bah celle-là, quand celle-là va dire quoi, on a tout au yant tout de quoi qu'elle est critique pour. Mais non mais faisons de dos des noms que congrès dit on a va dire on a faisons de dos nos yalte nos dons donc il nous rend des cadeaux nous on a la celle-là, qu'on a figé à galjo qui donc celle-là. Sinon du min si t'as on aura nous celle-là la talent, comme il fait un cas non, mais du yalte officiellement mais il n'a guélande mais donc min kokari jomi on a la celle-là des cadeaux. Parce que celle-là quoi t'as confondu la talent. Mais c'est facile. Mais quand nous n'avons pas dit que c'est lui qui est parti, alors que nous avons parti, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Parce que vraiment, il y a tout le monde qui est dans les réseaux sociaux, qui est dans les réseaux sociaux, qui est dans les ethno, c'est lui qui est ethno. C'est lui qui est poulo, mais qui est guinéen, qui est politique, qui est wadde. Il y a un lénol, si il y a un lénol, il y a un candidat de coordination. Madou ko ko califa général madou ko tabital pour la goto mais celle n'a rien à foutre avec ça atté on on kadi wolon fi politique yow ton hakile politique yow ti don famu fi politique mais akire ni yow tir gol ethnocentrisme et haine lagine na on on tuni guinéen ina on on tun kadi wara ina on on tun kadi bonnana hande himbe ben no warede no sokede leggidi fop fop no warede fop no sokede hay goto ala courant hay goto ala ndiyam kago fulu ben tuni ala ndiyam. Kako fulu bentu woni ala courant. Kako fulu bentu wona sokede. Kako fulu bentu wona warede. Mais attendez quand même, attendez, ça dit il faut que ça andon étape guiding ko fait you know 58 et ko fait yata en 2024, ça ne peut pas être pareil. Arrêtez la démagogie, arrêtez l'ethnocentrisme. Nous sommes là pour une nation, nous voulons une nation guinéenne. Nous ne voulons pas les ethnos. Abat les ethnos. Abat les ethnos. Kala arde do fi komba lenyon kon der politik a ba. Men yida dun don fes. Kon wadi si meden ba o sellu. Paske wona etno. Hare kon dun adun o lando. Ache hake message on duty. Mais vraiment. Je voulais vraiment préciser. Pour mettre les points sur les i. Hare kala yal tout do. Modingol sellu fi lenyon lenyon. Hare kon yo andu. O yida UFDG. O yida sellu. Hay fuso anda. O falaka kanko tiki o anda kon nou ojoki. Sina du hande no di himbe tanani be lenyon gol yehe yutiram baa ben don mais allez-y derrière ceux qui sont pour les ethnies quand même c'est divisé quand même il y a la politique il y a l'ethnie il y a tout no fo no wodi mais jokku de parti politique mon normal c'est un homme d'état un homme de la nation un homme un républicain fala do lama go lagine fo aron jodo don do e moddingol mo fi don hala hala ko wolata kon ko onom ben don non woni tampine de sellu mais ça doit s'arrêter maintenant. Voilà, hare on gache hakke simi woli mi toni hitongo, mais c'était une précision importante. Hare mi artoye meden, inshallah rabbi le combat continue, c'était Ilo et la diaspora africaine. Merci à tout le monde, merci de partager au maximum et à très bientôt mes amis. À très bientôt mes chers compatriotes.